Liberia is my country. That I was the first South African to be given military training in Algeria. الجزائريين على موعد جديد في عهد جديد في قصة جديدة متجددة رفقة منتخبنا الوطني الجزائري بقيادة المدرب الجديد بيتكوفيتش فلاديمير. أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. يا سلام على الجمهور الجزائري الرائع الحاضر هنا بملعب نيلسون مانديلا في هذه الودية الحبية بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الجنوب افريقي طبعا في سلسلة الكيفاسيريز المونديالية. مشاهدينا ركزوا جيدا في ياسين، التمريرة البينية باتجاه بن زية، فرصة وإمكانية، التخطيط واحد صفر للمنتخب الوطني الجزائري. الآن يدور التمريرة البينية هي في الشباك، لا 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 فرصة لإبراهيم بالشباك بينية باتجاه بقرار، مقصد بقرار يحاول المرور بشكل رائع. بقرار بن سيارة من الأهداف التي لم تحدث كل يوم، من الأهداف
في الرائعة والخيالية. كيف استفدت الكرة وكيف استطرت وكيف لعبتها ضد حارس المرمى. بنسية الرائع، بنسية المميز، بنسية الخارق في هذه اللقطة. Un bon match face à une belle équipe qui a terminé 3e à la dernière CAN. Je pense que les spectateurs ont pris du plaisir. C'était un bon match avec beaucoup de buts et ce match va nous servir pour la suite. Il y a beaucoup d'enseignements qui va nous servir sur ce match. C'était un bon match, un bon test contre l'Afrique du Sud. C'est une belle équipe qui a fait une belle CAN. On est encore en train de nous apprendre, d'essayer de trouver les automatismes entre nous avec le nouveau coach. Dommage, on n'a pas gagné sur la fin, on a essayé de pousser. En tout cas, on va essayer de travailler au maximum pour les prochaines séances et Inch'Allah, on se revoit en juin. Merci aux supporters de nous soutenir. On est satisfait de faire un match nul quand même si on voulait bien évidemment gagner le match. Mais on est encore en rodage, c'était compliqué. Franchement, c'était un match très compliqué pour nous, pour moi aussi personnellement. Mais c'est comme ça, comme je l'ai dit, on apprend à se connaître parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on a jamais joué ensemble, plus un nouveau coach. Mais alhamdoulilah, c'est bien de commencer par des matchs assez solides, c'est ce qu'on recherche. Et puis voilà, donc en tout cas, merci pour le soutien et on se voit en juin, Inch'Allah. L'esplanade se divise en deux esplanades. L'esplanade Est, nous avons des boutiques qui proposent divers services. Et dans le minaret, nous avons un musée qui s'étale sur 15 étages, un musée de la civilisation islamique et un centre de recherche de sciences islamiques et dialogue intercivilisationnel aussi. Une plateforme ici, en 38e niveau, nous allons la visiter. Après, nous avons le sud du complexe, après on revient pour la prière de l'Assemblée. كنت متوقع بلي راح نشوفهم وإحنا جينا باش نصليو تلاقينا بهم وإن شاء الله يفرحونا. ولا سافر ولا سافر فهم ما لقوا. Dans le minaret le plus haut du monde, 265 mètres de haut, 38e étage, c'est incroyable, il est magnifique. On voit bien, là tu vois tout le monde qui a, c'est peuplé de fous. Franchement, c'est une mosquée magnifique et j'ai hâte, Inch'Allah, qu'elle soit remplie et qu'on voit ce que ça donne quand la mosquée est pleine. Salam alaikum.